Avec ses 300 jours de soleil par an, son patrimoine culturel et ses paysages à couper le souffle, Marseille attire chaque été des milliers de vacanciers. Et quand la saison touristique bat son plein, à l'hôpital de la Timone, le mois d'août n'est pas de tout repos. Bonjour, c'est un des urgentistes à la Timone. Dans le deuxième plus grand service d'urgence de France, la moitié des médecins manquent à l'appel. Ils étaient 32, ils ne sont plus que 16 à se relayer pour prendre en charge les 270 patients qui poussent chaque jour la porte du service. Donc là, tu as lancé un bilan ? Oui. Il y a l'interne qui voit une des entrées et l'externe l'autre. Oui, bonjour. Je t'appelle pour un AVC qui avait été thrombolisé. Il va falloir la placer, elle. C'est ça que tu me dis, non ? Fais la rentrée. De toute façon, on est dernier recours, hein, comme d'habitude. Le bip des constantes, voilà, le docteur Doucet ne l'entend plus. Depuis plusieurs heures, il a l'oreille collée au téléphone. Le médecin de garde cherche des lits disponibles et organise les sorties. Pour toi, tu penses qu'il peut rentrer comme ça avec la double courant chez lui ? Mais du coup, vous le revoyez dans 48-72 heures. Arrivé dans la nuit pour des douleurs abdominales, cet homme ne parvenait plus à uriner. Grâce à une sonde, son état s'est amélioré. L'urgentiste vient lui annoncer qu'il peut rentrer chez lui. Vous êtes hébergé en hôtel d'hébergement, c'est ça ? Hôtel d'hébergement. Ok. Et vous n'avez pas de famille, pas d'amis ici du tout ? Rien. Personne, vous êtes tout seul ? Ok, ok. Bon, je vais revoir avec l'urologue. Bon, ça s'annonce plus compliqué. On lui a mis en place une sonde urinaire, parce qu'il y a un gros caillot de sang. Là, le spécialiste me dit, c'est bon, il peut rentrer à la maison avec des soins. On le reconvoque dans 48-72 heures, mais le monsieur vit en hôtel, appartement, enfin donc dans des conditions sociales un peu difficiles, et pour lequel, à mon avis, le retour à domicile dans ces contextes, s'il ne peut pas faire passer d'infirmière, qu'il n'a pas d'aide, c'est plus compliqué. Donc je vais le rappeler, voir si une hospitalisation est plus envisageable. Vacances oblige. À la Timone, beaucoup de services ont fermé leurs portes. Avec une centaine de lits en moins au mois d'août, hospitaliser un patient relève souvent de l'impossible.